Salut YouTube, on continue Metroid Prime. Ça fait beaucoup trop longtemps, enfin ça fait une semaine que j'y ai pas joué. Je pense que j'ai tout oublié, je ne sais plus où je dois aller, mais c'est pas grave. Le but du jeu quand même, les buts des Metroid, c'est quand même de passer la moitié du temps à se paumer et à pas savoir où on est. Donc on est dans le thème. Petit verre d'eau avant de m'y mettre et let's go. Alors, on joue toujours avec la Zizimote, hein. Ah, attendez, parce que la Zimo, elle a du mal aujourd'hui. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, j'ai tout oublié. Hein. Ça y est, j'ai déjà tout oublié. Hein. Ah, mais oui, j'ai toujours pas la supercharge. Hop, là, on saute. Ok. Ça, c'est les missiles. Ensuite, là. Oui, ça nous permet de scanner les trucs. De scanner les trucs et les machins. Dac, 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 ça c'était scanné, ça c'était scanné. La carte. Donc la carte. Qu'on aille. Non. Non! C'est pas ça que je voulais faire. Mais non! Oh là là. Mais comment on fait? Je vais y arriver. Hein. Ah d'accord, c'est Z. Voilà, oh là, gros truc là, hein, gros complexe. On va aller au petit truc là. On va aller droit devant. Nous allons trouver des choses droit devant. Merde. Ah, qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a un machin là? Pourquoi y a un machin là? Cette chose qui souille les eaux, recherche le soleil. C'est fait, mais je veux celui-là. Alors, ne pas toucher l'eau. Le grand poison provient du cœur de Talon. Est-ce que ça marche? Ah oui. Bien évidemment que ça marche. Et une petite réserve de missiles. Salut Twinsen, comment ça va? Bien changé Isaac. Tu as remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup de Isaac ces derniers temps sur la chaîne. Puisque j'ai fait comme j'avais dit. Une fois que je terminais ma sauvegarde, plus de Isaac jusqu'à repentance. Symbole ennui qui a été activé. Ah, faut que je trouve. Ah, d'accord. Ok, faut que je trouve toutes les runes. Alors, faut que j'en trouve 4 en tout. Il y a des trucs qui prospèrent dans l'eau empoisonnée, bah ouais, super. Ah, là-bas. Là-bas. Donc il me manque encore une rune. Rune. Tu me taper? Ah non.
que je peux y arriver là? Ah, par contre, je peux y arriver comme ça. Si j'étais un peu moins naze, j'y aurais pensé. Plutôt speedrun, exact. Oui, exactement. Enfin, ouais, moi je. Tu le sais, hein, je mets du temps à faire à terminer les jeux. parce que je teste plein de trucs. Avant, il y avait de l'eau qui sortait d'ici. Oh là là, trop bien. Donc, il faut sûrement tout réactiver. Pour que l'eau ressorte par là. Ok. Donc il faut que je trouve toutes les ruines. Et hop et hop et ben voilà la dernière. Coucou Melzekiel. Ah alors attends Melzekiel. Attends. Donc Melzekiel hier nous avions combien? 13. R comme Rabia. Et 2. R comme Rabia. Deux. Mais il me semble que je t'en avais fait un pour la forme, non? Je sais plus. Et un tonium. R comme Rabia. Ah désolé hein. Désolé YouTube. 3. R comme Rabia. 4. R comme Rabia. 5. Non, c'était pas un gratuit. 6. Le pire Rabia. Début de VOD hein. R comme 7. Rabia. Désolé YouTube. R comme Rabia. 8. Ah non ah non je paye. R comme je paye. Rabia. Tu as tout dépensé. Tu as tout dépensé. Rabia. Donc on les fait. On les fait. R comme Rabia. Allez. Tu vois, c'est bientôt fini. Rabia. Franchement, c'est bientôt fini. Tu sais que je fais juste pour rigoler, t'embêter, mais R je sais. Comme Rabia. Je sais. Hop. R comme allez, puis je te Rabia. Fais 14. Je suis bien bon. T'es bien, comme, comme Tony Hobb. Et hop. Voilà, ma dette est payée. Oh, et Twinsen a récupéré un R comme Rabia. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je regarde juste ce que j'ai récupéré. Ah, la charge. Ah oui, enfin. Enfin le rayon de charge. Alors, un R comme Rabia. R comme Rabia. Et Melzekiel qui récupère un Jean-Michel à vous. Donc qu'est-ce que tu veux me faire faire dans le jeu, du coup? Parce que c'est un peu le but du Jean-Michel à vous. Défi des 15 prochains commentaires, parler au féminin. Car je suis Samus Aran. Ok. Ça marche. Je promets pas que... Je promets pas de ne pas faire de bêtises, mais... Puisque vous le savez, je suis un peu sotte. Évidemment.
L'activité mécanique moyenne indique que le dispositif fonctionne encore. Encore, mais pas ouf quoi. Réserve de missiles. Hein? Ah oui, d'accord, parce que c'est derrière. Ok, je viens de réagir. L'unité de ventilation du sous-sol est fonctionnelle malgré la déconnexion de plusieurs câbles électriques. Ok. Et je peux pas encore faire ça, j'ai pas encore le... Le réseau de monorail magnétique a été détecté, il semble fonctionnel, la boule d'araignée est requise pour accéder au monorail. Bah oui, voilà. Il me faut... la boule magnétique. Mais j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour, qu'est-ce que je suis bête? Bête, c'est non-genré, hein, c'est bien. Alors. On charge, on tire. Ah, on peut les péter du coup. Pas mal. Je suis assez fier de moi. Oh là là. Oh, comment je suis en train de t'embrouiller, Melzekiel, là. Hein. Ok. Est-ce que je peux récupérer d'aussi loin? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas récupérer les trucs d'aussi loin. Ma carte. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, ma carte? Elle dit que je peux aller là maintenant. Parce que j'ai le truc qui explose. Donc on va essayer d'aller là. Est-ce que je sauvegarde avant? Oui. Je vais pas commencer à faire la chaude. Désolé. Et à ne pas sauvegarder. Parler au féminin. Ah ouais, je me genre au féminin. C'est le défi que Belzekiel m'a donné. Jusqu'à présent, ça va. Je m'en sors assez bien, j'ai l'impression. J'espère. Ça fait tomber. Non, mais. Non, mais. Non, Twinsen, non, par contre. Vraiment, non. Non. Non, non. C'est complètement con comme remarque. Ça n'a rien à voir avec le féminin ou le masculin, quoi. Ce que tu viens de dire, donc. Donc, juste non. Hop, on va y aller un peu plus vite. Voilà, c'est pas grave. Le speedrun. Tech damage to save time, bien évidemment. Vous connaissez la chanson.
Mais je l'ai pas vu ça. Ah, ça attend prêt à télécharger votre banque de données, traduction des écrits de Chozo. Se développe jour après jour, accroissement d'énergie négative due à la météorite a grandement dépassé nos prévisions. Nous, Chozo, devons trouver un moyen de nous débarrasser du grand poison. Pour le moment, nous devons nous contenter de le mettre à l'écart et attendre le jour où la puissance capable de le purifier apparaîtra. Malheureusement, il n'est pas plus possible de regarder tous les parties du grand poison qui est déjà propagé jusque dans les entrailles de la Terre. Comme d'habitude, j'ai mal lu et j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Là, il faut que j'aille où ? Il faut que j'aille tout droit. Enfin, du coup, cette porte-là. Non ! C'était pas le bon bouton. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ah mais non! Ah ou alors je peux y aller par l'autre côté. Non mais faut que je récupère quelque chose. Je suis nul. D'accord, donc ça is good. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose quand même? Position du fluide analysé. Ça va être où? Ok. Parce que je me suis éloigné, alors il me dit regarde, t'es en train de te tromper. Pourquoi tu vas là-bas alors qu'il faut que tu ailles ici? Comment j'ai fait pour aller là-bas moi l'autre fois? Ah ouais, ça rebondit. Ah. Alors ça c'est un tank d'énergie. Ah mais non, ça c'est le grappin ça. Ça c'est un truc de grappin je crois.
Et donc, il faut que j'aille où? Là, c'est... Ok, c'est à gauche. Ah, il y a un... Il y a un truc de missile là. Ok. Et maintenant que je suis là, il faut que je monte. Faut que j'aille tout en haut. C'est noté. D'accord. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui me gênait à la fois. Non! Ça marche pas, ça marche pas. Ça me stresse là, voilà, ok. Voilà. Ça va être mieux. Est-ce que faut que je les réactive les machins? Oh, ça a déjà été activé, ok. C'est bien, le jeu se rappelle de ce que j'ai activé ou pas. C'est plutôt cool. Voilà. La menace s'est éliminée. C'est une bonne nouvelle. Quoi? Eux. Oui, il y a ça. Non, ça marche pas. Ah d'accord. Donc ça normalement faut les tuer avant. Ok. Faut leur tirer dedans avant. Sinon ça nous fait du dégât. Je le saurai. Pour la prochaine fois. Nous voilà ici. Mais ensuite. On va essayer de pas tomber. Oh non! Oh non! Vraiment? Vraiment le jeu, tu vas me faire ça? Oh. Bloc la sortie, 4 symboles runiques, hors de sa surface. Ok, et ben bah faut que je retourne en bas. Ouf, je me suis fait mal. Ok, symbole runique activé. Non?
Non. Samus. Pourquoi? Pourquoi Samus? Ma vie, ma vie, ma vie. Ouais bah j'ai vu. J'ai vu que c'était risqué. Conspect là. Celui-là, il a déjà été activé, ok. J'ai cru que j'allais tomber. Hein. Dites-moi tout. Ok, déjà activé lui. Non. Bon bah on recommence. Faut vraiment que je la fasse mon emote non. L'emote non. Vraiment. Je pense que ça serait l'emote la plus j'arrive pas à trouver mon mot. Légitime. C'est quand même la limote la plus légitime sur mon stream, étant donné que je passe mon temps à le dire. Hop. Plantes toxiques, ces végétaux vénéneux se rétractent sous terre en cas de danger. Ces végétaux prospèrent dans les habitats et gros organismes. En biais de leurs feuilles et couleurs chatoyantes. Et les happes, moyen de petites pointes renfermant des toxines très dangereuses. Les créatures provoquent la décomposition immédiate de tout ce qu'elles peuvent attraper. On va regarder, hop. On va leur tirer dessus. Elle est où la dernière rune là? Ok. Il en manque une. C'est bon. Ça a été trouvé. Qu'est-ce que... Voilà. Parce que
que c'est les mêmes plantes que tout à l'heure? A priori. Ok, c'est le bébé faucheuse, mais... Coucou Bibi la diva. Comment vas-tu? Heureux? D'ailleurs. Pourquoi Isaac... pourquoi ce... cette emote Isaac qui pleure? Que t'arrive-t-il? Ah oui, oh non, je me rappelle de ce truc. Ah, faut lui casser la tête. Et après, faut se mettre en boule morphing. Et puis, aller taper. Parce qu'elle a peur du, elle a peur du soleil. On est marre de tuer. Lol. Ah, d'accord. Une fois sur 50 000, il ne doit jamais rien débloquer. Alors, cette entrée a été téléchargée, votre banque de données. Connecteur boule morphing standard. Une fois que le connecteur est actif, insérez-y la boule morphing, puis faites exploser une bombe afin d'émettre des impulsions électriques susceptibles d'activer différents types de dispositifs. Et le gros truc là. Regardez cette vilaine tête là. Espèce Flagra, cette plante mutante est responsable de la pollution des eaux des ruines. Le cycle de croissance de Flagra a été radicalement accéléré. Cette créature monstrueuse sans doute s'exposer au soleil pour garder sa vitalité. Cette exposition intense a durci et fortifié sa carapace. Cependant, ses racines inférieures ne sont pas protégées. Exploitez ce point faible chaque fois que vous en avez la possibilité. Un tir suffisamment puissant vous permettra de l'étourdir quelques instants. Pour que Georges y débloque 5 trilliards de trucs. Pas juste. C'est quoi le but de ton jeu? C'est de sortir de la planète sur laquelle je suis actuellement, parce qu'il y a un vilain qui est Ridley qui est allé dessus. Donc il faut que je me débarrasse de Ridley. Quoi? J'ai rien compris encore. Merde. Quoi? C'est quoi que c'est qu'il faut que je fasse? Les lunes tentacules de ces Flagra encombrent cet endroit canal de drainage. L'analyse indique que le système nerveux central de Flagra se situe à la base de sa structure. Je suis en train de perdre toute ma vie là. Ah là c'est un boss. C'est un boss que c'est normal que... Ah, je vais mourir. Hein. Spoiler, je vais mourir. Je pique pas. Hein.
Ça y est. Ça y est, j'ai compris. Hashtag j'ai compris. Voilà. J'aurais mis le temps, mais Donc voilà. Et là maintenant, faut que j'en remonte deux. Ah zut, pas. Ah, je peux pas passer. Et on y retourne. Non, vite, 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 vite. Voilà. Hop. On y va. Et là, normalement, je crois que je l'ai eu. Pour de vrai. Ah non, maintenant, faut avoir les 4. Oh là là. Là va être vénère. Vas-y, 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 vite. Non. Merci. Merci Samus. Merci. Et on a tué Flagra. Pan. Pan la plante. Regardez, oh, l'eau redevient claire. L'eau redevient belle. On va pouvoir prendre des petits bains. Et ce qui est vachement bien dans l'univers de Metroid, c'est que c'est direct. Hein. Et on n'a pas besoin d'attendre, hein. C'est direct, l'eau est propre. Hein.
Si j'avais pu récupérer ma vie, ça serait bien. Alors maintenant, évidemment, la porte est fermée. Évidemment. Il y a du scénarium. Il y a du scénarium sur la porte. Donc maintenant, la porte est évidemment bien fermée. Et ça m'oblige à passer par l'autre côté. Ah, sacré scénarium. Hein. Mais qu'est-ce que ça va me donner? Un autre rayon? J'irai trouver mes épaulettes. Vous pouvez désormais supporter les températures extrêmes. La galerie du monde est disponible à l'achat. Et des achats in-game? Vraiment? Vraiment? Donc on va pouvoir aller là, là où il fait chaud là. On va pouvoir y aller. Mais d'abord, il faut sortir d'ici. Mais avant de sortir d'ici, les plantes parasites, blabla. Super. Hop, mais ici, de l'eau, regardez, de l'eau toute propre. L'eau est saine, oh, merveilleux. Avant, je fais une pause de 2 secondes parce que mon chat est en train d'arracher la porte. Donc je vais aller lui ouvrir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a ventile la Wii? Pourtant, c'est une Wii U. C'est une Wii U qui émule. Enfin, qui joue un jeu de Wii qui est lui-même. qui est lui-même un remaster d'un jeu GameCube. Mais pourtant, la Wii, elle est au bout de sa vie et a ventile à mort. Ouais, donc tant que j'ai pas le bon costume, c'est vrai que je ne peux pas. Je ne peux pas aller dans l'eau. Sans couler à pic. Donc je vais où? Ah, faut que j'aille dans l'eau. Non. Si. Non, peut-être. On va me perdre. Eh, c'est où la sortie? Elle est où la sortie? Là, je suis là. Au bout, à droite. J'ai pas vu. Ah bah pff, oui, d'accord. Ok. Vaut mieux voir comme ça que pas du tout, hein, bien évidemment. Excusez. Hop. Ça, c'est une créature. Le bombus à impulsion. Il se compose d'énergie brute et libère régulièrement des explosions. Les bombus à impulsion s'apparentent à des boules d'énergie. Seuls les ailes à base d'énergie électrique peuvent les affecter. Ils sont privés de toute intelligence. Et sont instinctivement attirés par toute source d'énergie. Produisant d'électricité sans interruption, ils larguent régulièrement des charges électriques en excès, sans égard pour les objets organismes qui se trouvent à proximité. C'est des petits prankers, quoi. Et nous arrivons là. Où je tombe? Donc que je me laisse tomber.
Ah, j'ai pas encore le double saut, donc je ne peux pas sauter en fait. Quand j'arrive au sol. Non mais c'est... Mais non mais arrêtez de vous mettre devant. Merci. Parce que je veux casser les ruches et puis ils se mettent devant. Ok, on a quoi là? Sculpture encore dite semble légèrement fissurée. Ça semble largement fissuré aussi. Du coup. Missile? Non, donc si c'est pas missile. Est-ce que je vais y arriver? Ah, j'arrive plus à le faire. Y a un timing pour... Voilà, vous avez vu. On peut en faire plusieurs à la suite. Mais je l'ai plus le timing. Alors, les ruines, les écrits. La traduction des écrits. Les cris de cette terre agonisante résonnent dans nos têtes, tandis que le grand poison s'infiltre en plus profond de la planète. L'énergie obscure s'introduit dans les eaux comme dans les arbres et dévore toute trace de vie se trouvant sur son passage. Les animaux meurent par milliers. Certaines créatures survivent à ce mal insaisissable, mais rares sont celles qui ne subissent pas des mutations aussi terrifiantes que le fléau venu du ciel. Ces créatures mutantes, aussi monstrueuses soient-elles, sont en grande partie inoffensifs du fait de leur grande taille. Toutefois, certaines prennent des proportions énormes et menacent notre existence même. L'un de ces monstres géants profane notre fontaine sacrée, versant son poison et changeant l'eau pure et douce en cascade ténébreuse. À cet temps d'horreur, nous devons garder notre courage. Nous sommes les seuls êtres que les courants du grand poison ne peuvent emporter, et donc de notre devoir de contenir ce mal. Comme l'impression que vous y arrivez quand même pas. Hein. Aussi puissants êtes-vous. Vous avez l'air de galérer les gars. Hein. Les cavernes de Magmor. Ah, les cavernes de Magmor, comme son nom l'indique, c'est là où il y a du magma. Ok, donc je pourrais passer là potentiellement. Pourquoi je suis pas arrivé ici la première fois? Il se passe. Ok. Et je me rappelle de ce truc. Pourquoi je suis pas passé la première fois? La première fois, j'y suis pas allé. Bah, j'y retourne. Là, hop.
Oui, y a ça. Je viens peut-être de faire une bêtise. Ah non, c'est bon, ça se reconstruit. Oh, vous avez vu ces ruines, comment elles sont. En fait, c'est pour descendre plus rapidement, quoi. Vous avez vu ces ruines, comment elles sont bien? Vous détruisez et paf! Ça se reconstruit aussitôt. C'est quand même assez ouf. Hop, et donc on va aller par là. Pas autre chose de caché dans le coin là. Ça reste un Metroid, hein. Il y a 1 million de trucs de cachés. Hein. Quoi clignote? Ça devait être un bug. En métal bloque l'accès au centre de la salle. Alors, traduction des écrits. L'avenir est imprévisible et versatile, même si nous, Chozo, pouvons voir le monde au-delà des limites temporelles. Cette faculté n'a aucune unité qui ne nous permet pas d'influencer le déroulement de l'histoire. La fontaine est un parfait exemple. Bientôt, ses eaux s'évaporeront totalement. Il n'y a rien que nous puissions entreprendre pour empêcher cette tragédie. Que tu m'entends, eh oh. Putain, les choses aussi ont eu tragédie chez eux, quoi. Ouais, non, je comprends qu'ils aient préféré mourir. Toutefois, une chose est sûre, contrairement au flux d'eau incertain, nos ressources spirituelles sont intarissables et notre volonté est inébranlable. Oh là là. Bravo les choses, quoi. Premier mécanisme de verrouillage. Deuxième mécanisme de verrouillage. Et troisième mécanisme de verrouillage. Je sors de réunion syndicale. Les choses de gros égoïstes. C'est ça, c'est un petit peu. Bah ouais, mais nous c'est ok. Finalement, on meurt pas. Notre foi ne peut être branlée. Donc tout est ok. Ah, peut-être qu'il y a là, il va falloir que j'apprenne à faire les sauts. Attendez. Ah, je sais plus. Non, ça marche pas. Non. Comment on fait? Non. Non. Tac. Non, c'est pas comme ça, donc tac, tac, tac. Et non, mais comment on fait? Oui, j'ai réussi. Et devant. Donc du coup, celui-là est facile. Hop. Voilà. Et celui-là, encore plus facile. Hein, quoi? Ah non, il y a un truc devant. Ah, c'est bon. Vous avez vu, j'ai réussi le jump. Le jump machin truc là. Le jump de boule morphing, je l'ai réussi.
J'ai été un peu nul, mais... Non, c'est pas le space jump. Non, non, mais t'as vu, en fait, j'ai fait... Tac, tac, tac. Et donc, du coup, ça m'a fait sauter... Voilà, tu vois, ça me fait sauter. Et donc, bah là, c'est comme ça. En fait, là, je pense que c'était le truc pour nous apprendre comment le faire. C'était vraiment en mode, vas-y. Si t'arrives à le... Est-ce que je les ai scannés, eux ? Oui. Je crois qu'il y a bien qui vient de se péter la tronche dans les escaliers. Ça a fait un bruit bizarre dans les escaliers. Donc je pense qu'elle vient de se rater dans les escaliers. Et elle arrive, donc oui, il est très probable que ça soit ça. Oui. Et une réserve d'énergie. Ça c'est plutôt intéressant. J'ai bien fait de revenir. Allez, on va y aller en force, hein. Merci, bisous. Allez, bisous, je m'envole. Hein. Et mon chat. Non, 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 par contre, ça c'est mon verre. Hein. C'est mignonne, mais... Non, ça c'est mon verre, bien. T'as de l'eau dans ta gamelle. Tu vas boire l'eau dans ta gamelle. Oh, regardez, c'est beau maintenant. La petite fontaine, là. Les plantes parasites qui infestaient la fontaine ont été détruites. L'eau de la fontaine est exempte de toxines. Regardez. Je peux maintenant me mettre dedans. Me prendre une petite douche. Ah bien c'est ton verre, non. Non non. Non non c'est le mien. Et maintenant je peux aller là. Ah mais non mais j'ai pas le... J'ai pas le grappino. Maintenant je brûle plus quand je suis ici mais j'ai pas le grappiné. C'est bien dommage. Flûte. Non mais elle a 12 000 points d'eau. Combien ? 12 000. Combien ? 12 000 points d'eau. Qu'est-ce qu'elle vient boire dans mon verre à moi ? Bon bah on va aller au Magmore. Hein. Mais du coup comment je peux y retourner là ? Ou je refasse le grand tour ? Oh. Bah ouais, je crois bien qu'il faut que je fasse le grand tour de nouveau. Ça m'apprendra à vouloir grid. Donc là c'est à droite. Pas grave hein. Oh faut que je remonte. C'est bon, la porte est ouverte, donc déjà j'ai pas à me embrouiller avec tout quoi. Elle veut boire dans ton verre et pas dans ses 12 000 points d'eau pour Ave. Ben, c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est la fois où je l'ai vu,
préférer la flotte de dehors dans une vieille coupe, une vieille soucoupe de pot de fleurs. Je me suis dit quand même elle abuse. Elle a de la bonne eau à l'intérieur, mais non, elle préfère l'eau croupie qu'à l'intérieur quoi. À l'extérieur. Metroid Prime respecte le concept fondamental de Metroid. On fait du backtracking tout le temps. Ouais bah ouais mais. Mais bon, ça empêche pas que c'est chiant quand même. Avant que t'arrives, j'en parlais en disant que on allait se paumer, mais que c'était l'esprit de Metroid de se paumer tout le temps et de pas savoir où on était quoi. En plus du backtracking, il y a le truc de on est paumé, on sait pas où on va. Hop là, et salut. Ça s'est refermé ça. D'accord. Pourquoi pas hein. Ah mais non, je peux plus par là. Ah mais non. Ah mais non, ils ont tout fermé. Ah. Bon bah, re-backtracking du backtrack. Ah oui d'accord. Les les portes plus balèzes que tout quoi. Alors du coup, il va falloir que je fasse le grand tour. Ah, est-ce que je peux pas y aller là maintenant? Ah non, faut le. Les jeux Metroid sans map. Ah non, bah. Oh mais imaginez les jeux Metroid sans carte. Et celui sur NES, il y avait pas de carte, ouais, remarque. Je suis en train de dire ça, mais il me semble que celui sur NES, oui. C'était mort. Il y avait pas les cartes sur NES. Du coup, est-ce que je vais là? Je vais me tenter ça. Hein. Ça se trouve, il y a un petit truc à récupérer là. Ah ! Il y a un gros balèze. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment on lock ? Je sais plus comment on lock. Voilà. Merde. Tiens, ennemis. Pan. Oh, et il disparaît. Tout simplement. Idem sur Metroid 2. Metroid 2 c'était celui sur Game Boy, non? Metroid 2, me semble-t-il. Quoi? Oh non! Je viens de buter ton copain dehors là. Oh, ça marche bien le tir chargé, dis donc. Un Game Boy, ouais, avec un remake de ouf sur 3DS. D'accord. Et il y a aussi, Metroid Zero Mission qui est un remaster, enfin un remake d'ailleurs, c'est pas un remaster, qui est un remake du 1.
Zéro mission, c'est celui. C'est sur lui, sur Game Boy Advance. Ah ouais, d'accord, mais là il me faut le. Il me faut le zigouigoui là pour. Faut que j'ai le truc chargé là. Enfin le. Faut que je puisse me booster. Non mais je viens tout de suite. Hein. C'est bon. Voilà. Enfin, moi je me casse. Hein. Mouvement des troupes ennemies analysé. Ah, faut que j'aille dans le magmore. C'est ça qu'est-ce qu'elle me dit. Vous voyez, en fait, quand vous êtes trop long, et bah le jeu vous dit, eh, en fait, faut que t'ailles là. Espèce de sac. Je l'ai fini sur une cartouche bootleg, zéro mission. J'ai chopé une cartouche originale. Ah ouais. Oh. Oh. Ah ouais. Ah. Regardez ça. Ah, je peux rien en faire encore. Ok, faudra que je revienne quand j'aurai le truc plus puissant, je crois, non? Je sais plus. Que je peux faire quelque chose. Bon. Elles sont où les guêpes? Voilà. Énervé, toi. Ah non, d'accord, faut que j'aille d'abord ici. Ça y est, je viens de comprendre. Ensuite, voilà. Je reviens. Et hop! On va pouvoir passer. Oh, et encore une réserve de missiles, vraiment. Tout easy. Je vais arriver à avoir le 100% sans Solus quoi. Vraiment. Clairement non. J'aurai jamais le 100% sans Solus. Il est clairement très difficile à avoir, je pense. Il y a vraiment des trucs. Des trucs d'énergie, des trucs de missiles qui sont super chauds à trouver sans Solus quoi. Hop, la petite sauvegarde qui va bien. J'ai oublié qu'il y avait eux. Quoi là-bas? Je suis déjà allé ou pas? A priori oui.
Quoique, peut-être pas, hein. Ah non, est-ce que j'aurais fait comment? J'avais pas encore la bombe. Ah voilà. J'avais pas encore la bombe de boule morph. Hop. Ok. Tout ça c'est bon. Est-ce que j'ai tout scanné? Oui. Zut. Maintenant je peux tomber dans l'eau par contre. Oh, je suis déjà à 35. Je suis déjà à 35 missiles. Pas mal. J'avance bien. La récupération de missiles, j'avance plutôt pas mal. C'est bien, ça va nous aider parce que pour certains ennemis, après, ça va être plus compliqué. Allez, petit chargement, mine de rien. Petite occasion de voir Samus. Alors. Ah oui, c'est vrai, il faut que je récupère la carte de la zone. Oh, je me rappelais pas du tout de la musique dans le Magmore. Je me rappelais pas que c'était aussi dark. Ah, petite sauvegarde. La petite sauvegarde qui va bien. Samus qui a du mal à passer dans les portes. Alors, des nouveaux ennemis. Qui es-tu? Un Grisby. Pas à confondre avec un Gribzy. Utilisez vos missiles pour détruire la carapace charognière subvolcanique. L'air surchauffé a fusionné la carapace de cette créature. Désormais, seul le missile peut en venir à bout. La douée d'une intelligence limitée, cette créature obéit à son instinct de prédateur. C'est un prédateur, ça? Moi, je suis convaincu. Il est tout moche. Alors, ok.
Faut que j'aille au bout. Là, ça chauffe. Là, ça chauffe. Mais étant donné que je fais des sauts très millimétrés. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça me crache il me crache au visage. Le fouisseur, son insecte prédateur, creuse le sol avec une facilité déconcertante. Le fouisseur ressemble beaucoup au scarabée, bien qu'il ait tendance à passer plus de temps sous terre. Qui détecte les ondes sismiques et remonte à la surface pour attaquer, est certes peu astucieux, mais il agit avec discernement, étant tout face à face avec des créatures plus fortes que lui. Sa fureur compense son ignorance. Ah tiens, bah voilà. Bah voilà. T'as voulu faire le show, et bah voilà. Ah, ça y est. La petite musique dont je me rappelle, là. Clac, 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 clac. Alors. Voilà. Caverne de Magmor, et ben ça s'appelle les cavernes de Magmor parce que c'est une espèce, le Magmor. Serpent vit dans les torrents de lave en fusion et crache du feu pour attaquer. C'est original ça. Hein. C'est original ça. Dans un jeu vidéo, un animal qui vit dans de la lave et qui crache du feu, franchement original. La créature est accoutumée aux régions extrêmement chaudes et s'avère vulnérable à toute attaque. Utilisant un effet gel aveugle, elle parcourt les courants de lave au moyen de son capteur sonar. Le Magmor a un aura très développé et qui permet de viser les cibles avec une précision déconcertante. Ah voilà, il a perdu la tête. Le Magmor, il a perdu la tête. C'est tout. La 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 la, des mines. Les globes flotteurs, cet organisme gazeux instable expose au contact d'un corps étranger. Cette créature remplit son corps de métavibrium, un gaz mortel, et flotte près de sa surface pour chasser. La membrane est percée, le gaz qu'elle contient s'échappe avec une violence. Avec violence. Bien qu'il soit très vulnérable, ce prédateur est relativement agressif. Le nuage gazeux qui se forme lorsqu'il meurt est fatal pour les créatures situées à proximité. C'est des mines, quoi. En gros, c'est des mines. Ah merde, 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 merde. Non mais non, non, non mais non, mais non, mais non, mais non, non mais non, mais non, non, non mais non, mais non, non. Moi, je voulais regarder s'il y avait quelque chose à récupérer. Pourquoi le jeu? Pourquoi tu m'as fait ça? Ah, il est encore, il est revenu. Écoute. Voilà. La 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 la. Hop là. Après on aura le grappin, on pourra grappiner. Et ça sera quand même plus simple. On va où là? En priori, on va au bon truc. Depuis le début de ce Metroid, je te trouve bien moqueur. Comment ça? Comment ça tu me trouves moqueur? Moqueur sur le jeu? À propos du jeu? Ah, je me rappelle de cette phase. Oh, je m'en rappelle. Oui. Ah non, je trouve que le jeu est vraiment bien. Hein. Enfin, j'aime beaucoup ce jeu. Je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir fait avant. Hein. C'était une connerie. Voilà, il y a des trucs évidemment pas originaux, quoi. Le coup du... T'as un grand serpent de lave qui crache du feu. Bon. Et puis, il y a des mines. Tu vois, il y a des trucs qui ressemblent à des mines. Ça pète comme des mines. Et ça te fait du dégât comme des mines. Mais c'est pas des mines. C'est des animaux. C'est des animaux qui ont du gaz et qui explosent. C'est des mines.
Le tribal est un chasseur-collecteur. Il ramasse tous les micro-organismes et, autres vivres, puis les stocke en lieu sûr. Une consommation. Oh, je vais. Ça y est, j'arrive plus à parler. Une consommation ultérieure. Ces trois mandibules puissantes lui permettent de déplacer des pans de terre. De... je vais plus y arriver. Des pans de terre ou des blocs rocheux. Lisez à ma place. Hein. Une fois que cette créature vous piège, il vous sera difficile de vous arracher de ses griffes. En fait, là, va falloir se frayer un chemin. Est-ce que je peux le... Lui, je peux le tabasser d'ici. Je crois pas, hein. Et donc, là, va falloir que je me mette en boule morphing. Il va falloir que je l'évite. Voilà. Ok. Zut. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, à un moment je vais y arriver. Mais non, mais... Encore un mais non. Voilà, fallait juste faire ça. C'était pas très compliqué, mais je galère. Je prends des dégâts ? Non. En dessous là. Il y a quelque chose en dessous. Non ? Ne croyez-vous pas ? C'est pas les mêmes ceux-là ? C'est vrai. Hop là ! Non! Et oui, il me ramène, il est gentil. Hein. Je vois rien. Je vais où? Pas où je suis. Bah, j'espère que c'était par là. Hein. C'était pas par là. Nous avons quoi ici? Ok. Une réserve de missiles. C'est bien, toujours ce prix. Ça nous mène à 40 missiles. C'est bien. Ok. Pas revenir directement, non. Ou je repasse par là. Ah zut. Il m'a pécho. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, de l'autre côté là. Non mais arrête.
merde. Je me suis fait avoir, mais direct, quoi. Ouais, non, non, les musiques de Metroid, ouais, non, c'est clair qu'elles sont, elles sont cool. Bah, le jeu est aussi connu pour ça. Hein. Oh non, mais je me fous dedans. Hein. Ils sont trop mignons. Regardez, ils sont... Là, il y avait pas un truc? Voilà, regardez. Ah mais non, d'accord. C'était un chemin plus rapide. D'accord, je me suis bien fait avoir. J'ai bien fait tout le tour. Qu'est-ce que je fais ici, du coup? Il faut que je remonte. Je peux pas remonter. Comment ça? Ah, peut-être. Voilà, merci. Alors. Ah, d'accord. Ah zut! Je me suis fait eu. Je me suis fait eu. Où ça? Je sais pas ce que c'est. Et ça se scanne pas, donc c'est ok. Ok, donc là faut que j'aille vite. Que c'est donc là. Ça descend. Ça s'ouvre tout seul. Ah zut. J'ai le souvenir de cette zone comme une zone relou. Et je sais plus pourquoi. Et j'ai un petit souvenir de zone relou là. Pourquoi? Tout ça n'arrive qu'à moi. Ah oui, d'accord. Bien évidemment. Donc lui, je peux pas le tabasser, c'est ça? Donc, avec une petite missile. Bon, marche pas non plus. Donc il faut que j'aille là, que je me morphe. Voilà.
Mais on spawn tellement dans le jeu, quoi. Je l'ai pas eu le truc en haut là. Bah oui, non, mais je dois pas pouvoir. Je pense que je dois pas pouvoir. Hein, je vais pas m'embêter. Là on est sur un rail, donc c'est ok. Ensuite on descend. Je sais pas où je vais. La surface de Talon. Je peux retourner à Talon par là. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Là, ça a l'air d'être là, une dernière, une pièce terminale. Ouais, non, mais là, il y a le. Voilà, j'allais dire, il y a le truc magnétique. J'avais le souvenir de ça. Que ici, c'était le rail magnétique. Ouais, mais moi, Talon, j'ai pas envie d'y retourner, là. Moi, j'ai envie de continuer dans le Magmore. Dans le magma de ses morts, là. Ah d'accord, ouais. Ah ouais, ok. Ah bah je me casse. Olé ! Essayez de pas tomber. D'accord. Bon bah encore une réserve de missiles. Hein. Encore une. Faut aller où? Par toi petit con. Passage. Il est là au-dessus de moi. Ah oui, ça a l'air d'être là. Mais là, j'ai pas de moyen d'y aller, donc. Moi, je n'ai point encore de moyen d'y aller. Ah, il y en avait pas. Il y avait pas un truc là. Et si là. Regardez ici, là. Et là, il me faut le double saut, je crois. Oh non, 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 non. Évidemment, les caméras réapparaissent. Hein.
que là, tout est normal. Non, me dis pas qu'il y a encore des... Si, il y en a encore. Ça y est, je me rappelle pourquoi cette zone, je me rappelle comme une zone chiante. C'est que les caméras, c'est les pires ennemis. Il y a un bruit de téléphone dans le jeu. J'ai cru que c'était dehors. Oula, il va y avoir du... Pas des trucs à lire là. Question inversion, extrait l'énergie des bassins de magma. Comme prévu, cette source d'énergie géothermique s'annonce prometteuse. Désactivez immédiatement la dynamo principale. Utilisez l'énergie géothermique à votre disposition. Eh, hey, les pirates de l'espace, on dira ce qu'on veut, mais développement durable. Hein. Très peu d'individus de phason, les moines de Grandheim leur accordent une grande valeur lorsque les opérations d'extraction de phason ont cessé, notamment l'exploitation de ces cristaux pour ce marché. Bon, par contre, c'est des capitalistes. Hein. La détection de prédateurs pyrogènes, ils appellent ça comme ça. Les gros dragons là. Les gros dragons, c'est pas des gros dragons, c'est des prédateurs pyrogènes. Et ils font comment pour aller dans les petites zones comme ça, les pirates de l'espace là? Alors c'est cool, on peut aller là, mais ça sert à quoi? Ah, me dis pas que faut que je refasse un saut. Ah si. Ou pas. Ah mais ça m'emmène où là? Les monts de Fenandra. Bah non, mais j'ai pas envie d'aller sur les monts de machin, moi, là. Y'a pas une autre pièce, là? Si, une pièce tout en haut. Mais ça, tout en haut, là. Est-ce que je peux y aller? Oh, cette carte qui va commencer à être gigantesque. Non, parce que moi les monts de Felindra tête de tigre là, je m'en fous quoi. Et merci. Attendez. Ah là c'est pareil, il faut que j'arrive à sauter là-haut là. En une seule fois. Donc faut y arriver. Faut y arriver quoi. Non mais. Merci. Non mais je resterai quand j'y arriverai.
Je réessayerai quand j'aurai la technique. La bonne. Est-ce que, évidemment... Pourquoi je pose la question ? Alors ça doit être là, mais ça doit être tout en haut. Par là, je ne sais absolument pas comment j'y accède. Aïe, ça m'a touché. Ça fait tellement mal. C'est quoi qui m'a touché? Ah oui, c'est parce qu'il y avait encore le... Il y avait encore le gaz. Ah, il y a une plateforme en haut. Hein. Ah, mais il faut... Mais ce bruit de téléphone, là, c'est... c'est assez infernal. Il y a la plateforme qui est là, mais il me faut le double jump. J'aurai jamais assez pour sauter sinon. Ok, bah on va retourner là-haut. Et on va retourner là-haut et surtout, il est quelle heure? 22h45. Ok, je suis un peu fatigué, je vais peut-être m'arrêter en fait. Je pense que je vais grimper. Et zut. Hop, allez, tac. Oh, je saute pile au bon moment, quoi. C'est vraiment que je l'aurais eu la première fois, mais non. Ok, allez, on remonte. On va bien voir ce qu'il y a à la surface. Il y a peut-être des trucs à récupérer, et puis il y a probablement notre vaisseau. Ce serait bien qu'on ait le double saut un jour aussi. Est-ce que je les ai vus.
Oh, la petite musique là. Alors, ça c'est ok. Mais si je veux les autres, ouais. Ah, nouveaux ennemis. Fleur du mal, cette fleur capable de libérer des spores toxiques. Trois nodules buccaux sont en saillie par rapport au pédoncule situé sous la fleur. Oh. Chaque nodule est doté d'un réseau neuronal rudimentaire et possède de facultés d'intégrer les gaz toxiques dans un rayon de 5 mètres. Les spores émanant du stigmate sont mortels pour tout ce qui se trouve à proximité. Cette créature est elle-même intoxiquée par les toxines qu'elle sécrète. Ah oui, d'accord. Mais ça me balance des trucs. Pas juste. Allez hop, les choupetteurs. Les choupetteurs, ils ont pris. Oh, ces petits effets là quand on passe sous l'eau là. Il coule ce jeu quand même. Hein. Ah, il y avait le truc. C'est par où? Non, moi je vais retourner au... Voilà, hein. Hop, mon vaisseau. Il me semble qu'il y a des trucs qu'on peut avoir qu'en boule morphine dans le coin. De souvenirs. Ah. Ah là. Est-ce que c'est pas là? Par hasard. Là? Ah, regardez, il y a le trou. Trouvé. Ascenseur opérationnel localisé. Oh, faut aller Fenendra. Ah non. Ah non. Je m'ai trompé. Je m'ai trompé. Qu'est-ce que c'est? Cette faune là.
Oh zut, il y avait encore un Champlar. Ah, on peut passer par là. Ah, des pirates de l'espace. Ça y est, les v'là. Ils sont barrés. Qu'est-ce qui ressemble au conteneur trouvé à bord de la frégate de recherche des pirates de l'espace. Phason. Ils sont barrés. Oh, les mauvais là. Je voulais vous scanner, moi, les gars. Tant pis. Tant pis, je ne les scannerai point. Ah là, il y a quelque chose. Et une petite réserve de missiles en plus. Bah oui, mais je fais comment moi? Ah oui, c'est bon. Hop là. Il n'y avait pas un moyen de gruger aussi ici? Il me semble. On pouvait faire un saut. Un saut au pixel. Non, bah non, faut vraiment avoir le double saut ici. Ok. Et bah, on vient de sauvegarder. Et donc, on va s'arrêter ici. Hop, bisous YouTube. À la prochaine.